Thank you.
Vous asseoir. Mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Cet après-midi, nous voulons tout d'abord vous dire merci. Merci pour ceux qui ont laissé leurs occupations, leurs activités, pour venir ici accompagner Eric, Mireille, la famille Voitier, la famille Marie-Louise, dans cette circonstance particulièrement triste. L'ex-adventiste dont je me fais le porte-parole vous témoigne toute sa sympathie, son amitié, ses sincères condoléances. Et vous encourage à rester attaché au roc Jésus-Christ, la source de toute espérance. Cet air que je respire, cet air que je respire, ta sainte présence qui vit donner
Bonsoir à chacun. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu et après quoi nous allons prier. Psaume 90, versets 9 à 12. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous volons.
Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Amen. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, en cet instant, Seigneur, nous sommes tristes parce que nous avons la famille Marie-Louise, la famille Voitier, qui a perdu un être cher. Et nous savons, Seigneur, combien la disparition est difficile à accepter. Mais Seigneur, de notre côté, tu nous donnes espérance que tu vaincras la mort. Parce que tu nous donnes l'espérance que tu es le Dieu de vie et que nous allons vivre l'éternité sans fin avec toi. Merci Seigneur de placer cela dans nos cœurs, afin que chaque jour, Seigneur, nous puissions regarder à toi. Et en cet après-midi, je voudrais te demander, Seigneur, de descendre toi-même, afin de passer du baume sur le cœur de tous ceux qui sont touchés par la douleur, tous ceux qui sont dans la tristesse, que tu sois à côté d'eux, Seigneur, et que tu puisses les rassurer, que tu puisses les encourager, que tu puisses les entourer de tes bras d'amour en leur disant, « Mon enfant, ne t'inquiète pas, parce que je te promets quelque chose d'extraordinaire, je te promets la vie éternelle. Fais-moi confiance, et chaque jour, je serai toujours à tes côtés, et je te garderai. Ô Seigneur, je sais que tu es un Dieu tout-puissant, que tu es un Dieu bon, et que tu es un Dieu qui répond à la prière de tes enfants. Oh oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ton soutien. Nous comptons sur ta droiture. Nous comptons sur ta force. Parce que, Seigneur, en cet après-midi, nous sommes faibles et ne pouvons compter que sur toi et toi seul. Bénis ces familles. Bénis cette mère. Bénis ce père. Bénis ces sœurs qui ont perdu leurs frères, leurs enfants. Bénis aussi les grands-parents, les enfants, les neveux, les cousins, toute la famille, Seigneur, sois avec elles et dirige leur vie. Fais-nous du bien et permets que ce service, Seigneur, soit placé sous ton égide béni et que tout ce qui soit dit, tout ce qui soit fait, soit pour ta gloire. Je t'ai prié en Jésus. Amen. Je voudrais, au nom de l'Église de Maranatha, adresser à la famille notre soutien. Nous avons prié, nous sommes associés à toutes les prières, mais le chant que je vais vous interpréter va résumer l'espoir que nous avons et je vous laisse écouter les paroles. Playback, c'est clean. En attendant que de trouver les paroles, je vais reprendre le texte de Job. Moi, je le sais, mon défenseur est vivant. En effet, je sais qu'à la fin, il se dressera sur la terre. Après même que ma peau sera détruite, je sais que je verrai Dieu et il ressuscitera au dernier jour. Je dis brisé, tu dis complet. Je dis cassé, mais toi tu dis parfait. Tu l'as appelé, pardonné par ta grâce. Il n'y a rien de trop brisé.
que tu ne puisses changer. Ta grâce l'a lavé, il est pur. Non, rien de trop souillé que tu ne puisses changer. Ta grâce l'a lavé, il est pur. Ses promesses sont vraies, Christ reviendra. Ce qui meurt en lui, bientôt se lèveront. Oh, relève la tête avec espoir, car bientôt il sera là. Y a rien de trop brisé que tu ne puisses changer. Ta grâce l'a lavé, il est pur. Non, rien de trop brisé que tu ne puisses changer. Ta grâce l'a lavé, il est pur. Ton sacrifice, rouge sang, la rende blanc, innocent. Tu l'as lavé et maintenant il est pur. Ton sacrifice, rouge sang, la rende blanc, innocent. Tu l'as lavé et maintenant il est pur. Il est pur. Il est temps, il est pur, il attend. Les promesses de Dieu sont certaines. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Je vous ferai la lecture de psaume que Joanne aimait particulièrement, le psaume 23 et le psaume 121. Le psaume 23 commence ainsi : L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel, c'est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera
ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Bonjour à tous. Comme parfois, il y a un peu de soleil qui rentre par là, on met les lunettes là au cas où. Alors, j'ai la tâche de parler un peu de Johan en cet après-midi. Alors, Johan Nathaniel, pas Nathanaël, Nathaniel, est né le 31 août 1982 à Trinité. Son père s'appelle Eric et sa mère Mireille. Johan a un fils, Alan, qu'il surnommait toujours Sabanan John. Il a deux sœurs, Priscilla et Erika, une compagne, Perrine, deux grands-mères, Yvette et Émilie, des oncles, des tantes, des cousins et des cousines, et un beau-frère, moi-même, ainsi que de nombreux amis. Johan était très proche de sa famille, ayant une relation particulière avec chacun d'entre eux. Alan, le fils de Johan, avait une place de premier choix dans son cœur. Johan avait pour son fils un amour incommensurable. Alan était devenu sa source de motivation dans sa vie et dans ses combats quotidiens. Johan avait une affection singulière pour son neveu Matteo et sa nièce Mia qu'il considérait comme ses enfants. Avec son père, fidèle acolyte, dans la vie comme au travail, on les prenait souvent pour deux frères. Ils pouvaient passer des heures à discuter de tout et de rien au téléphone. Avec sa mère, Johan était protecteur et avait gardé son âme d'enfant, particulièrement quand il était malade. S'il y avait un problème informatique, une voiture qui lâche, une tuyauterie à réparer, eh bien Johan était toujours prêt à intervenir auprès de sa maman au moindre petit problème du quotidien. Il était rempli de fierté lorsque ses amis pensaient que sa mère était sa sœur. Très proche de ses sœurs, il avait une relation particulière avec chacune d'entre elles. N'ayant que 4 ans de différence avec sa sœur Priscilla, ils ont grandi ensemble et passé leur temps à multiplier les 400 coups. À titre d'exemple, les panachés saveurs fraises disparaissaient à vue d'œil de la cuisine sans que leur père ne sache comment. Même si des années après, il avouera à Johan et Priscilla qu'ils savaient qu'ils étaient les auteurs du délit. Combien de draps et d'accessoires se sont volatilisés des placards de leur mère car les deux chenapans s'en servaient pour construire des cabanes. Tous deux n'avaient pas besoin d'une multitude de mots pour savoir tout l'amour qu'ils se portaient mutuellement. Johan était très fier du parcours de sa sœur et ne cessait de vanter ses qualités et ses yeux verts auprès de ses amis. Ayant 13 ans de différence avec sa sœur Erika, il a tout d'abord considéré comme la petite dernière de la famille susceptible de lui voler sa place dans le cœur de son père et de sa mère. Néanmoins, il a très vite endossé son rôle de grand frère protecteur pour finalement devenir son meilleur ami. Fusionnel avec sa sœur, il cédait à chacune de ses demandes, même s'il rouspétait quand même un peu. Ils étaient l'un pour l'autre un soutien sans faille. Les amis, la famille, les proches de Johan garderont de lui le souvenir d'un jeune homme taquin, jovial, généreux, serviable et fan inconditionnel de l'équipe du Barça ainsi que du PSG. Membre actif de l'association Collectif Justice Martinique, Johan était un fervent défenseur des opprimés. Sa vie a été ponctuée de moments ensoleillés, mais aussi de moments sombres, difficiles et de faux pas. Néanmoins, il a toujours su faire preuve de résilience et de volonté afin de remonter la pente. Nous sommes apaisés car nous savons qu'après la tempête, il a vécu des moments de bonheur auprès de sa famille, ses amis et de ses proches, et que son cœur était comblé d'amour grâce à sa compagne Perrine, et qui à nos côtés l'a accompagné jusqu'au bout. Johan se sera battu de toutes ses forces jusqu'à la fin, impressionnant le corps médical à plusieurs reprises par sa robustesse et sa volonté farouche de vivre. Mais nous avons la conviction que l'Éternel est notre force dans ces moments difficiles, et nous avons l'espoir de le revoir au grand jour du retour de notre Seigneur Jésus.
Bonsoir à tous. Chenou kafan, en bas chalet doule, mais l'espérance pas kachapé. Il a ka plein chenou, zienou ka koule chenou, glou ka koule adan. Mais la foi pas ka brené en maï. Doule la ka toto y zantray nou, mais bon Dieu la ka y satire tout ça, ba nou. Songez, nous que songez tout long jomi, nous que changer les bons moments passés. Nous que changer force li, nous que changer intelligence li. Nous que changer l'amour. Nous que changer balan y goumen pour la vie. Mais maladie rive gâté vaillant. Et malgré temps qui est passé, nous que continuer changer. Pas si mette en fond chez nous, il marche en fond chez nous. Et puis l'amour. Bon Dieu qui toujours là, pas qu'à dormir en maï. L'amour plus fort que toute bagaille. De la main, pas jamais trop court. Zoaï, li katan avant même nous parler. Et c'est pour faire nous la vie éternelle. Pour permettre nous régner en ciel et puis il vient m'enlever la croix à nous. Et bon Dieu t'a là. C'était bon Dieu Jomi aussi. Jodi jour Jomi la katan il ka dormi. Pas talè bon Dieu qui viré à dans toute gloire lui pour stopper net maladie, chagrin, la souffrance, désespoir et puis la mort. Jodi, toute la famille et puis amis a dans saison la peine. Gloka simerja a dans tchèr pizye. La comprinaison pa ka vole ou a dans ciel gris tchèr nou. Ki ka débordé et puis la peine. Mais l'espoir, l'espérance, nous qu'a trouvé par côté bon Dieu parce nous ni la foi Jésus. Amis, famille, même à dans gloma la souffrance et puis la désolation, on nous continue avancer et puis bon Dieu. On nous continue lutter à dans la vérité. On nous rester côté bon Dieu. Parce bon Dieu misé allez-nous. Bon Dieu créateur, bon Dieu sauveur, bon Dieu rédempteur. Zaka suye tes yeux. Il apparaît pour consoler ou. Il a ka supporté ou. Jodi, avant trop tard, choisis la vie, choisis la paix, choisis l'amour, choisis. Bon Dieu. Bonsoir à tous. Je voudrais à mon tour partager quelques mots de témoignage concernant Johan. S'il y a bien quelque chose qui m'a marqué, qui m'a impressionné, interpellé, surtout au moment où il passait par cette maladie, par cette souffrance, c'est sa solidité, sa robustesse. C'est un jeune homme solide. Et je crois que les médecins l'ont reconnu, la famille l'a reconnu, je l'ai moi-même vu, parce qu'à l'écoute de ce qui est expliqué de sa souffrance, on s'est dit oui, il a été soutenu, il était fort. Et bien sûr soutenu par Dieu parce que Dieu soutient ses enfants. Et je sais que chaque jour que Dieu donne, chaque jour en plus que Dieu donne à un individu, ce n'est jamais par hasard. Et je me rappelle que ce samedi 4 mars, Mireille nous a demandé, Laurent et moi, de venir pour passer un petit moment avec eux, la famille, avec Johan à l'hôpital. Et on a
échangé avec lui, on a parlé pour lui. On savait qu'il était conscient, qu'il entendait ce qu'on disait, même s'il n'avait plus la capacité de pouvoir répondre de façon audible. Et on a parlé, on lui a dit des choses, encouragé, on lui a demandé de faire le point avec le Seigneur, de faire la paix avec Dieu. Et puis, on a chanté. Et puis, j'ai posé ma main sur lui, on a prié. Et à la fin de la prière, on a tous eu ce même sentiment que quelque chose de spécial s'était passé. Et je me suis souvenu que même s'il ne pouvait plus parler, qu'on ne pouvait plus entendre ce qu'il avait peut-être à exprimer, s'il a parlé dans son cœur, Dieu a entendu. Vous savez, il y a des conversations qu'on ne peut pas entendre. C'est entre Dieu et la personne. Et je veux croire qu'il a pris le temps, chaque jour que Dieu lui a donné, de parler avec son Dieu. Et je veux croire au plus profond de mon cœur qu'il est parti dans la paix du Seigneur et qu'il sera sur la mer de verre quand Jésus reviendra nous chercher. Et je voudrais dire ceci avant de laisser la parole. Joanne est parti à l'âge de 40 ans. C'est très jeune. Et ça me rappelle que la vie est très fragile. La vie, le passage sur terre est très bref. Et à chaque occasion comme celle-ci, je le rappelle aux uns et aux autres. Profitons d'aujourd'hui pour faire la paix. Profitons de l'instant présent pour nous dire que nous nous aimons, pour nous encourager, pour nous donner ce petit ballon pour aller de l'avant, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Chère famille, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous prions pour vous et nous vous disons bon courage. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous console et qu'il vous bénisse. Bonsoir, je suis la maîtresse Yasmine, je suis la maîtresse d'Alan. Je viens au nom de l'établissement pour quelques mots de réconfort et je vais d'abord donner les mots de l'école et après je donnerai mes mots personnels à mon élève. À Alan et Madame Voitier-Mireille, les condoléances ne ressuscitent pas de défunts mais elles entretiennent l'amour entre ceux qui restent. La direction de l'école adventiste du Robert adresse ses sincères condoléances à toute la famille, particulièrement à Alan et à Madame Voitier-Mireille. Toute l'équipe enseignante, ainsi que tes camarades de classe, Alan pense à toi et toute l'école a prié pour toi hier lors du culte avec Pasteur Linzo. Que Dieu le Créateur te fortifie et poursuive son œuvre en toi, Madame Voitier, pour la poursuite de ta mission de mamie et d'éducatrice auprès d'Alan. Nous sommes témoins à l'épargne de toute l'énergie et tout l'amour que tu accordes à Alan depuis des années. Et toi, Alan, nous sommes à tes côtés comme ta famille au sein de l'école. Tu poursuivras ton cursus scolaire en toute quiétude, tel un champion, car Jésus est devant toi et à tes côtés. Que le Seigneur vous fortifie et vous comble de paix et de courage pour poursuivre dans le projet que Dieu a pour chacun de vous. Que toute la famille soit bénie et revigorée à travers cette épreuve. Car lorsque quelqu'un que l'on aime devient une mémoire, cette mémoire devient un trésor. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Alan, tes camarades de classe sont passés la journée à te faire des petits mots. Je te les donnerai quand je descendrai. Ils ont pensé à toi pour te réconforter. Donc il y a plein de petits mots dans cette enveloppe que tu auras la joie de lire plus tard. Et je voudrais te dire, mais qui aurait pensé quand je reçois cet enfant dans ma classe au début d'année qu'il a déjà vécu tant de choses à seulement 9-10 ans. Et pourtant, je ne l'aurais pas su si Mamoun ne m'avait pas dit tout ce qu'il vivait. Mais il porte du courage. Je disais, mais
il vit des choses aussi difficiles et il a, on ne l'aurait pas dit. Il est tout à fait normal, il n'y a pas de tristesse. Il a la tête toujours levée. Il marche avec de la force et du courage. Et la classe s'appelle, la classe, notre classe de CM1 s'appelle la classe des nouveaux héros. Mais je peux dire que tu es déjà un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui brave beaucoup d'épreuves et qui avance et qui tient. Alors, je voudrais te dire, Alan, que tu as 9-10 ans. Et en ayant vécu tant de choses, je me dis que tu as une lumière spéciale sur toi. Tu as une lumière spéciale parce que ça veut dire que tu es quelqu'un qui doit avoir une grande destinée. Je veux que tu t'accroches à cette conviction. J'ai une grande destinée. Toutes ces épreuves que je vis sont en train de faire de moi un héros solide, fort, qui va tenir ferme. Parce que déjà, tant de vents sont passés devant moi et je continue à me... Même si je chute des fois, mais je me relève et je tiens fort. Tu as une grande destinée. Et pour qu'il accomplisse cette grande destinée, mamie, papy qu'il aime tant, il est important d'accompagner, de continuer comme vous le faites, à accompagner cet enfant ensemble, fort, pour qu'il puisse pouvoir vraiment accomplir la mission sur laquelle Dieu a placé tant d'espérance sur Alan. Alors Alan, continue d'être fort. Nous sommes avec toi, je suis avec toi et toute l'école est avec toi. Que Dieu te bénisse.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, famille Marie-Louise et famille Voitier, nous voulons partager avec vous quelques portions de la parole de Dieu pour vous apporter réconfort dans un moment d'aussi grande difficulté. Si la perspective de la résurrection n'existait pas, vivre puis mourir serait simplement vain. Mais parler de résurrection nous oblige à lever les yeux vers le ciel, à la recherche de la seule puissance capable de créer la vie, de la donner, de la renouveler selon sa volonté. En fait, tel était le propos du patriarche Moïse. Il était maintenant âgé. Dès sa tendre enfance, il a tellement voulu entrer dans la terre promise, la Canaan terrestre, la terre de ses ancêtres. Ces histoires d'Abraham, ces histoires d'Isaac, de Jacob, ont été profondément gravées dans sa mémoire. Pendant qu'il grandissait en Égypte, sur les genoux de sa mère et de son père, ses années de formation dans les grandes écoles militaires égyptiennes n'ont pas effacé chez Moïse le désir ardent de retourner un jour à Jérusalem. L'exposition aux dieux des Égyptiens, au panthéon de leur divinité, n'ont pas su effacer cette connexion avec Dieu. Ce Dieu qui avait créé le soleil, la lune et que les Égyptiens vénéraient. Ces 40 années dans le désert de Madian n'ont pas su faire taire l'appel de la terre promise. La rencontre des caravanes de voyageurs venant de l'Est et rapportant des souvenirs et des informations sur la région ne faisait qu'augmenter cette attraction dans son cœur. Maintenant, après 40 années de pérégrination dans le désert, à tourner en rond, Moïse est sur la montagne où il peut voir, hélas de loin, le pays tant désiré. Ô combien Moïse aurait souhaité fouler le sol de la terre promise, mais il sait qu'il doit mourir. Alors il rédige ce poème, inclus dans la collection des psaumes et cantiques que j'aimerais relire avec vous aujourd'hui, chère famille. Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Voici ses paroles. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle sèche. On la coupe le soir et elle sèche plutôt. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours, disait encore Moïse, disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années, disait-il, s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est dû. Enseigne-nous, disait alors Moïse,
Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Il y a une interrogation dans la pensée de Moïse parce qu'il s'adresse à Dieu lui-même et il lance ce cri, mais jusqu'à quand, Seigneur? Et puis ensuite, le serviteur se reprend avec ces mots, « Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et à la gloire de leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Notre bien-aimé Joanne Voitier, avec ses 40 années de vie, reproduit le cycle des 40 années que l'on retrouve si fréquemment dans le texte sacré. En effet, le chiffre 40 dans la Bible, le nombre 40 a une importance considérable dans la Torah et dans le Nouveau Testament. Voici quelques exemples. Le déluge va durer 40 jours selon Genèse 7, verset 12. Moïse, quant à lui, va passer 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, selon Exode 38, verset 24. Moïse va ensuite envoyer 12 représentants des tribus d'Israël explorer Canaan en 40 jours, selon Nombre 13, verset 25. Et les Philistins défient Israël et David pendant 40 jours. Élie, quant à lui, va marcher 40 jours et 40 nuits dans le désert jusqu'à la montagne de Dieu, selon 1 Roi 19, verset 8. David, quant à lui, règnera 40 ans. Le roi Samuel, le fils, lui aussi, aura un règne qui durera 40 années. Si je me tourne vers le Nouveau Testament, Jésus passe quant à lui 40 jours et 40 nuits de tentation et de faim dans le désert, selon Matthieu chapitre 4, verset 2. Et cet épisode a marqué la trace de Jésus sur cette terre. Il passe 40 jours entre la résurrection et l'ascension, selon Actes 1, verset 3. Mesdames et messieurs, chères familles, le chiffre 40, le nombre 40, représente donc une durée d'un événement majeur, d'une épreuve, d'un châtiment ou d'un règne fondateur. C'est donc le chiffre du passage et de la transformation marqué par l'intervention divine et aboutissant, écoutez bien ceci, aboutissant presque toujours à une nouvelle alliance. C'est aussi la durée de l'introspection qui débouche sur un changement profond. C'est le temps de la transition, le temps du retour à soi-même, le temps du retour à Dieu. Oui, je l'affirme, la mort de Joanne a un sens. Mais c'est à vous, famille, c'est à vous, parents, d'en découvrir le sens avec l'aide de Dieu. Cependant, vous et moi qui sommes ici rassemblés pour vous accompagner, nous savons que pour Dieu, la mort n'est pas une fin. Ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas une difficulté. D'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté concernant la mort, l'apôtre Paul fait une déclaration, la déclaration suivante. Selon 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, l'apôtre affirme, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Et il affirme, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon. Dans le livre de la Révélation,
Jésus, par la bouche de son serviteur Jean, va ensuite faire la déclaration suivante. Je suis le premier, Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et il affirme, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors écoutez ces paroles que l'apôtre Paul va rassembler à l'attention de ceux qui seraient confrontés à la tragédie de la mort dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 1 à 18. Écoutez ce qu'il dit. Nous ne voulons pas, disait-il, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, dans la France, version français courant, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, si nous sommes encore vivants, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, et c'est le souhait que nous partageons avec vous aujourd'hui, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et puis les paroles de l'apôtre Paul à votre attention, famille Marie-Louise et famille Voitier, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne dans ce moment de tristesse. Permettez que je vous laisse avec les paroles tirées de notre recueil Hymnes et louanges au 449. Nous mourrons, mais pour renaître. La mort n'est qu'un doux sommeil. Bientôt, Jésus va paraître. Ce sera le grand réveil. Des profondeurs de l'abîme, de la tombe noire séjour, de la plaine et de la cime, tous, alléluia, se lèveront un jour. Et le deuxième et dernier couplet se lit de cette manière. Nous mourrons, mais pour renaître. En quittant le froid tombeau, nous saluerons notre maître au seuil d'un monde nouveau. La mort, délaissant sa proie, fuira devant son retour. Et de l'éternelle joie, pour nous, brillera le jour. Chère famille, bien-aimés, frères et sœurs, messieurs, mesdames, l'espérance du retour de Jésus est la seule espérance que nous avons face à la mort. Et aujourd'hui, nous vous donnons ce que nous avons. C'est l'espérance du retour de Jésus. Il revient. Il revient bientôt. Et un jour, mesdames et messieurs, dans le ciel de la Martinique, Jésus reviendra. Et tous les morts qui sont morts en Christ, la parole de Dieu affirme, se lèveront pour vivre avec lui pour l'éternité. Personne, oh personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Avancez avec Jésus-Christ. Il recueille vos larmes. Il saura vous accompagner. Mais il n'a pas dit son dernier mot. La mort n'est pas la fin. Ce n'est qu'une pause avant le retour de Jésus. Bon courage. Jésus revient bientôt.
Thank you.
Nous voilà arrivés à la fin de cette première partie. Comme on le fait à l'accoutumée, je vais remettre au chef de famille une carte avec des mots qui vont marquer ce moment ici, cet après-midi, que tu pourras échanger avec le reste de la famille. Je vais vous donner l'ordre de marche. Je demande déjà au service des pompes fumelles de se préparer. Nous aurons tout d'abord besoin de 21 personnes. Il y a des gerbes, il y a des plaques. Donc 21 volontaires qui devront se diriger vers les diaconesses de l'église afin de recevoir les gerbes pour les transporter vers le cimetière. Donc 21 personnes. L'ordre de marche sera le suivant. Il y aura tout d'abord les officiants, ensuite les chantres, ensuite les gerbes. Après les gerbes, il y aura la bière. Après la bière, les parents, la famille et les alliés. Nous demandons de vous mettre debout. Nous demandons au service des pompes funèbres de se rapprocher.
Je vais vous montrer.